Tu laisses derrière toi ton corps, tu pourras courir plus vite. Dans les grandes forêts du nord que les fantômes habitent. Si tu laisses derrière toi l'humain, tu pourras t'envoler. Dans les grandes forêts de pins où il neige en été. Moi j'ai eu honte entre l'âge de 11 ans et 12 ans parce que je me suis retrouvée toute seule pratiquement du jour au lendemain dans une situation très proche de la misère. Et j'essayais de cacher cette misère, je voulais que personne ne le sache. Ben, c'est le regard des autres. Un jour, il y a un regard qui m'a bouleversée. C'était le regard d'un professeur qui regardait la façon dont j'étais habillée. Ben, à ce moment-là, j'ai eu honte de moi. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle me regarde comme ça ? Si tu laisses derrière toi ton corps, tu pourras courir plus vite. Dans les grandes forêts du nord que les fantômes habitent. Tu laisses derrière toi l'humain, tu pourras t'envoler. Dans les grandes forêts de pins où il neige en été. Moi, ma honte, c'était mes oreilles. J'en ai beaucoup souffert dans mon enfance. Tu as de beaux yeux bleus, dommage que tes oreilles les cachent. Tu payes demi-tarif sur voilier, c'est très bien d'être entré dans la marine nationale. Avec un peu de vent, tu feras avancer le bateau. Enfin, oui, ça m'a posé des problèmes parce que... Cette honte-là, je la camouflais par une coupe de cheveux assez longue et ça ne passait pas toujours très bien vis-à-vis de mes supérieurs hiérarchiques quand j'étais dans la marine nationale, puisqu'en fait, on se doit de porter les cheveux courts quand on est militaire. Si tu laisses derrière toi ton corps, tu pourras courir plus vite. Dans les grandes forêts du nord que les fantômes habitent. Si tu laisses derrière toi l'humain, tu pourras t'envoler. Dans les grandes forêts de pins où il neige en été. J'avais 11 ans et d'un seul coup ça a été la honte parce que mon père était mort et c'est quelque chose que je n'osais pas dire. Je sais pas, peut-être je me sentais coupable ou responsable, mais je crois que d'une certaine façon aussi c'était comme ça. Peut-être que j'avais pas fait ce qu'il fallait pour pas qu'il meure. Bon. Et donc, par exemple, quand il fallait indiquer la profession des parents, bon, moi, la profession de mon père, c'était décédé. Si tu laisses derrière toi ton corps, tu pourras courir plus vite. Dans les grandes forêts du nord que les fantômes habitent. Si tu laisses derrière toi l'humain, tu pourras t'envoler. Dans les grandes forêts de pins où il neige en été. Ce n'est pas d'en parler ou d'en user, c'est vraiment d'en acheter. Parce que je crois que j'ai conscience aiguë de l'humanité. Et c'est lors de l'acte d'achat que se révèle à moi, à mes yeux et aux yeux d'autrui, ma condition première, celle qu'on peut appeler la condition animale. Alors comment y échapper? On peut économiser se freinant soi-même, en interdisant à ses amis l'accès à ses propres toilettes, en allant dans les endroits publics pour le voler ou au travail, mais c'est de plus en plus difficile de trouver un travail. Je vais au maximum chez les amis, dans les lieux publics, mais je délègue parfois mes amis pour aller en acheter. Non, je n'en vole pas, parce que là, si j'en volais, ce serait terrible si je me faisais prendre. Un voler papier hygiénique, jamais, parce que vous vous rendez compte si je me fais prendre, avec un attroupement, le contrôleur, peut-être même un commissariat. Je serais obligé de parler devant les inspecteurs de police, ils ne comprendront pas.